Bonjour à tous, c'est Gamer Last KO pour vous montrer comment créer un serveur Last KO. Donc ce tutoriel en français bien sûr, voilà. Donc tout d'abord on va aller sur internet et vu qu'il est difficile de le trouver par Google, alors maintenant. Avant ça s'appelait Wizatech, maintenant ça s'appelle Max Space. Alors ça doit être trouvable comme ça. Non. on s'en fout. On va juste dans les favoris, hop. Voilà, vous voyez maxspace.net. Donc bon. Donc c'est le site où vous trouverez de quoi créer le serveur. Hein. Si vous n'avez pas ce site, autant ne pas y compter. Donc, quand vous arrivez ici, vous créez de suite un nouveau compte hein, en faisant register, voilà. Moi j'ai le mien. Et donc, pour créer, alors ici je vais vous montrer comment faire un émulateur. Hein, c'est en général c'est le genre de serveur le plus fréquenté. Donc, épisode 2, émulateur. Vous allez dans Release, voilà, enfin Release, voilà. Donc par contre le lien je vous le mettrai dans la description. Donc vous allez dans server side, tac, et on va choisir la version V0.311 Last KO Emulator. Hop, voilà. Donc là vous allez aller sur ce lien. Donc vous allez télécharger le vous faites download et donc vous devriez avoir voilà une archive comme ça, vous l'aurez, voilà, vous avez ça. Donc c'est ce que j'ai extrait juste ici, donc ça voilà, je l'ai extrait là. Vous avez ces trois dossiers, pour l'instant on va les garder de côté, voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez fermer. Attendez. Je crois que... Non. Il me semble, si je me rappelle bien, il faut aller, vous allez un peu plus bas. Voilà. Justement, vous allez un peu plus bas. Et voilà, c'est ici. Alors, le commentaire de cette personne-là, qui est très gentil d'ailleurs. Parce que maintenant, on pourrait pas faire de... On ne pourrait pas le faire. Parce que justement, c'est ça, c'est le client. Hop. Vous pouvez, je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Voilà, et vous faites download, voilà, vous téléchargez le client. Voilà, ce qui vous donnera ça. Voilà. Voilà. Et donc vous l'installerez et vous aurez donc le client qui sera installé. Moi je l'ai mis là. Voilà, vous aurez ça. Vous n'aurez pas exactement les mêmes fichiers que moi, mais vous les aurez plus tard. Donc. Voilà, ça pareil, on va mettre sur le côté et ensuite on va fermer du coup client side. Vous n'avez même pas besoin. Alors, après, il y a ce qui existe, c'est des il y a pas mal de logiciels qui peuvent nous permettre de modifier un peu quelques bases, enfin, quelques détails dans le jeu, même un peu plus. Donc vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous allez taper Navicat. Voilà, Navicat c'est ce qui va nous servir de... Alors moi j'utilise Navicat, hein. Après vous pouvez utiliser PHP MyAdmin, mais bon ça c'est... Personnellement je préfère Navicat, c'est plus simple je trouve. Alors Navicat MySQL, moi j'utilise Navicat Lite. Ou celui que j'ai, je crois que c'est le premium. Ouais, Navicat Premium, enfin, comme vous voulez. Alors, ça, il faut le télécharger. Voilà. Genre, là, par exemple. Après, c'est à vous de voir. Ouais. Voilà, genre vous prenez celui-là, la Navicat Lite 8, puis voilà, c'est parfait.
Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, vous tapez XAMPP. Voilà. XAMPP, voilà. Apache Friends, voilà, par exemple. Il nous faut un exemple pour Windows. Voilà, vous prenez. Hop. Avec installateur. Oui, enfin voilà quoi, c'est plus ou moins ça, voilà. Voilà, tenez, hop. Prenez le point exe, voilà. Prenez le point exe. Après, si vous êtes sur Mac ou autre chose, après ça, je pourrais pas trop vous dire, hein. Faut chercher. Normalement, il y a, voilà, pour Mac, pour Solaris, pardon. Linux, hein, bref, voilà. Donc personnellement, je suis sur Windows. Donc après, vous allez, on cherche. Pardon. Moi, j'ai une, en plus, j'ai une version d'exemple plutôt spécial, donc bon, parce que je suis en 64 bits, donc c'est plutôt compliqué en plus. Donc enfin bon, bref, je suis pas là pour parler de ma vie. Vous avez vu le lien tout en haut. Alors, excusez-moi, là je suis en train de totalement ramer, pas dans le serveur d'hier, hein, mais donc une fois que vous avez tout ça, donc vous l'installez, et donc vous avez exemple. Mince. Voilà. Voilà, moi elle est comme ça. Normalement si. Ouais, normalement il est comme ça. Donc vous lancez MySQL. Hop, vous cliquez sur Start ici. Apache pareil, vous pouvez, mais donc voilà, moi pour les utilisateurs comme moi. Utilisateurs, pardon. Comme moi, de Skype, il faudra quitter Skype pour pouvoir lancer Apache. Mais Apache, en fait, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est autre chose, hein. Je vous montrerai peut-être plus tard. Donc voilà. Hop. Donc vous lancez ça, comme je vous ai montré. Vous lancez MySQL, ça c'est le plus important. Après Apache, plus tard. Ensuite, vous allez lancer Petit Navicat. Voilà. Alors vous ouvrez localhost que vous avez normalement de base, et vous allez faire clic droit sur localhost, new database, bon, on s'en fiche, et alors enter database name. Alors vous allez l'appeler LCEP2, voilà, Last KO épisode 2. Donc vous faites OK, vous allez avoir une comme ça, vous voyez. Ensuite vous faites double clic dessus. Alors vous aurez pas ça de suite, hein. Mais donc c'est maintenant qu'on va revenir à notre émulateur 311. Voilà, donc vous allez dans database, vous prenez ce lcep2.sql et vous le faites glisser jusqu'à ici. Vous allez avoir cette petite fenêtre, vous faites start. Bon voilà, moi j'ai eu une grosse erreur parce que ça y est déjà, mais voilà, vous ça devrait aller. Et ensuite ça apparaîtra pas, donc vous faites clic droit close database et vous la réouvrez. Voilà, vous aurez tout ça. Alors là vous avez tuser, voilà, c'est les comptes. Donc vous avez un créé directement par le serveur. Donc username gm et password admin. Voilà. Et donc je vais vous montrer, hein, ici de base le truc. Donc index, ça c'est le nombre du un peu l'idée du compte, voilà, ça c'est le numéro 1 compte qui a été créé, donc voilà, numéro 1. Enable, alors là voilà, c'est un peu genre, ça c'est un peu le comme si vous cliquez, comme si vous avez banni un compte. Là, enable 1. Alors, si vous mettez 1, le compte il va être activé. Si vous mettez 0, le compte il va être désactivé, du coup ça va être impossible pour la personne de se connecter. Donc moi je vais mettre sur 1 quand même, ça serait un peu bête. Last server, alors ça je sais pas exactement à quoi ça sert. Ah oui, c'est le dernier serveur sur lequel on s'est connecté. Donc ça on s'en fiche un peu. Ça aussi. Email, ça c'est l'email de quelqu'un, hein, genre je sais pas moi, lastko@mail, voilà. On s'en fiche. Hop.
Voilà. Tac. Redite, je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est le. Je crois la dernière fois qu'on s'est connecté. Ou je sais pas. Non. Parce qu'il n'est pas à 1h59. Il est 18h. Et donc là, c'est cache. Donc le cache que vous avez. Hein. Donc là, de base, on a beaucoup. Mais bon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hop, genre là, j'en ai mis 50 000. Et puis après, si vous voulez créer un nouvel utilisateur, vous pouvez faire ça. Et là, vous mettez. Voilà. LCEP2, voilà. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Hop, alors, voilà. Donc ça, c'est bon. Après, il y a aussi des logiciels qui font que on peut créer des nouveaux utilisateurs, et notamment grâce à Apache. Voilà, c'est justement ça qui fait que depuis un autre ordinateur, à partir d'une page internet, et eh ben sans spécialement s'en rendre compte, mais il va créer un compte, il va passer par Apache, et hop, il va arriver dans ce fichier, et il aura créé un nouveau compte. Après l'activer, je crois que c'est à vous de l'activer, ou je sais plus. Donc là, après, le reste, on pourra voir plus tard, hein, mais sinon, en gros, exp, ça c'est voilà l'XP qu'il faut pour monter de level. Par exemple, quand on est niveau 1, il faut 36 XP pour être niveau 2. Quand on est niveau 2, il faut 130 XP pour être niveau 3, etc. etc., etc. Jusqu'à niveau 100, enfin, le niveau maximum que vous avez choisi. Ensuite, Big Pet, ben, c'est les animaux de compagnie, voilà. Ce sera, il y aura des numéros bizarres. Level, donc ben, ça c'est le level, bien sûr, le nom. Puis, etc. Voilà le reste. Je sais pas combien j'en suis là, mais je. Voilà. 12, bon, ça va aller, je vais bientôt y aller. Donc, donc là, sinon, vous avez déjà mis tout ça. Vous avez créé le LCEP2, vous avez mis le SQL à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous montrerai. La configuration de game server et login server, et je vous montrerai l'installation et le patch de LastKO, le client LastKO, pour pouvoir se connecter sur notre petit serveur. Bah oui, petit, parce que forcément il n'y a pas grand monde dedans. Et ensuite, je vous ferai d'autres tutos où je vous montrerai comment avoir des amis qui viennent avec vous sur votre serveur. Donc voilà, donc justement sur ce site, ben, je vais mettre mes vidéos sur ce site, hein, comme j'avais fait à un moment donné. Ben, peut-être que du coup, certains ils sauront qu'ils me reconnaîtront peut-être. Mais j'avais déjà mis des vidéos dessus pour oh là là, je barbote, c'est n'importe quoi. Pour montrer comment on faisait un serveur. Voilà, en plus il y a des demandes. Hein. Je l'avais fait ou ça. Ça fait tellement longtemps du coup que. Ça c'était moi qui avais demandé pour l'épisode 1 comment multiplier l'XP des pets. Et je ne sais toujours pas. Ah voilà. Voilà, ça c'était moi. Hop. Oula, c'est un peu zarbi les points d'interrogation. Et enfin bon, voilà. Donc je vais le remettre sur ce poste là justement. Comme ça au moins tout le monde va être content. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, à la deuxième partie du coup, où je vous montrerai ce qu'il nous reste à faire. Allez, à plus.